Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Clubhouse, un Clubhouse spécial Point Presse. Nous sommes 48 heures avant la sixième journée de Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux, vous le savez, accueillent les Vianthonon Gaillard vendredi soir à 20h30 à Chaban-Delmas. Pour parler de tout ça, mais pour parler aussi de toutes les actus du web, des réseaux sociaux, Roxane est en notre compagnie aujourd'hui. Bonjour Roxane. Bonjour Olivier et bonjour à vous tous qui nous suivez. Alors nous allons entendre dans un instant Thomas Touré, passeur décisif. Hein, vous le savez, le week-end dernier face à Guingamp. On entendra également l'ancien capitaine des Girondins de Bordeaux, Yaroslav Plazil, et puis bien sûr le coach Willy Sagnol. Mais tout d'abord, je vous propose d'écouter donc Thomas Touré, passeur décisif, en pleine confiance, en pleine bourre, comme on dit. Écoutez-le. Thomas, c'est une semaine moins évidente à préparer après cette défaite, où l'ambiance est toujours la même? Non, l'ambiance est toujours la même. On garde toujours les mêmes objectifs. Qui est de viser la plus de place possible du classement. Du coup ça nous a tout de suite la défaite nous a touché, mais ça nous a remis au boulot directement aussi. C'est une remise en cause, c'est oui et non, parce que après, c'est un échec collectif, on va dire, à Guingamp. Mais on sait ce qui nous a fait défaut et on sait ce qu'il faut qu'on fasse pour améliorer tout ça. Le coach parlait qu'il y avait manqué certaines valeurs. C'est quoi ces valeurs? Je dirais la solidarité. Un peu de solidarité. Après, bon, il nous a manqué, il n'y a pas que la solidarité qui nous a manqué. Il nous a manqué aussi de la qualité technique et du mouvement. Et de la rigueur défensive aussi, notamment sur le premier but. Aussi. À titre personnel, toi, tu as fait une très bonne entrée en jeu, tu as donné ta première passe décisive. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui compte quand même dans ton analyse personnelle du match? Ça compte, mais après, j'aurais préféré ne pas faire de passe décisive et que l'équipe reparte avec la victoire. Tu grappilles du temps de jeu à un peu plus à chaque match. Qu'est-ce que tu en penses de ce début et de ce qui va suivre? Non, après, je trouve que ce début de saison, c'est une satisfaction. Après, il faut qu'on continue à travailler et que je continue à travailler aussi pour espérer à gagner encore plus de temps de jeu. L'objectif, c'est titulaire? C'est possible dans ta tête? C'est possible. Après, on va pas sauter les étapes non plus, mais c'est quelque chose. C'est un objectif personnel, oui. On sent vraiment que le coach donne confiance aux jeunes. Dans son discours, dans ce qu'il vous fait faire? Non, ouais, c'est sûr que le coach arrive à mobiliser tout le monde. Et c'est important aussi de ne pas se sentir rejeté. Ce qui fait que tous les jours à l'entraînement, on donne tout pour essayer de gagner notre place. Tu sens qu'il y a depuis la reprise, qu'il y a une progression dans ton jeu, dans la compréhension des uns et des autres, sur tes appels? Oui, forcément. Après, c'était pas le même football qu'en CFA, on va dire. Il a fallu s'adapter, mais avec tous les joueurs qui nous parlent et qui nous mettent dedans, c'est plus facile. Tu as senti dès le mois de juillet qu'il y avait un coup à jouer pour toi à titre individuel dans le groupe pro cette année? Ben, après, moi, enfin, pas forcément dès le mois de juillet, mais à partir du moment où le club et le coach m'ont donné leur confiance. Je me suis dit qu'il fallait juste travailler et pourquoi, enfin, ça pouvait très vite arriver. Enfin, ça peut aller vite dans les deux sens aussi. Après, ton entame a été bonne, puis tu as marqué des buts d'entrée, ça facilite. Oui, c'est vrai, mais après, c'était que des matchs amicaux, les équipes n'étaient pas forcément prêtes, nous non plus d'ailleurs. Puis voilà, après, le coach a fait des choix et comme ça. Le match de vendredi, il faut démontrer que ce qui s'est passé à Guingamp, c'est un accident. Oui, c'est ce qu'on va faire. Hein. Enfin, c'est ce qu'on va tout mettre en œuvre pour faire oublier cette désillusion. À quel type de match tu t'attends face à Guingamp? Un peu le même match que contre Bastia. Une équipe qui va être regroupée, qui va nous laisser le ballon. Ça va être à nous de faire le jeu.